des impressionnistes, Camille Pissarro est le seul peintre à avoir participé à toutes les expositions impressionnistes, de 1874 à 1886. En 1884, à 54 ans, Pissarro s'installe avec sa famille à Erani, un petit village de l'Oise, où il va vivre ses 20 dernières années. Dans « Soleil levant à Erani », œuvre peinte en 1894, on sent clairement l'influence du néo-impressionnisme à travers ses tons juxtaposés par petites touches. Par cette technique, Pissarro rend sa peinture vibrante et parvient à traduire le caractère transitoire du lever de soleil. Les rayons lumineux qui filtrent à travers les peupliers et les arbres fruitiers construisent la toile par un jeu subtil d'ombre et de lumière. Au premier plan, on aperçoit deux silhouettes de paysannes qui sont comme intégrées dans le paysage. L'important ici n'est pas le motif, mais les effets produits sur le motif par les variations atmosphériques. À cet égard, le titre « Soleil levant à Erani » est explicite. De cette scène champêtre d'une grande simplicité se dégage une certaine harmonie, une certaine sérénité. Finalement, Camille Pissarro trouve à Erani son idéal de vie, une vie proche de la nature.